Salut à tous, c'est Amok. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de One Life. Donc, ce sera sur The Ninja sur Master System. Donc, vous m'excuserez, j'ai la voix un peu enrhumée, j'ai chopé la crève. Mais bon, rien de bien méchant. Alors, un petit jeu, comme je vous le disais, assez court, mais avec une difficulté légèrement relevée tout de même. Donc, vous avez deux boutons hein, sur un Master System. Donc, le bouton 1 pour tirer un peu dans tous les sens, dans tous les diagonales. Je crois qu'il y a 9 directions, ou au moins 6. 2, 4, ouais, on doit avoir 9 directions. 4, 4, 8, 8 directions, pardon. Et le deuxième bouton qui, lui, nous fait tirer, mais uniquement vers le haut. Donc, c'est le bouton qu'on va quasiment le plus utiliser. Et si on mâche les deux boutons en même temps, on va faire une sorte de tornade qui nous fait disparaître et on est ingérable. Voilà, donc voilà les trois éléments de gameplay. Et après, ça va vraiment être détruire tous les ennemis, avancer tranquillement. Et voilà, et ça devrait bien se passer. Donc là, vous avez vu, j'ai ramassé un parchemin. Il faut ramasser tous les parchemins du jeu. Il y en a 4 ou 5, je crois, de mémoire. Un peu caché dans les niveaux, mais quand on sait où ils sont, ça va. Donc voilà, on arrive déjà au premier boss. Il suffit de rester en face de lui et le désosser. Donc le premier niveau est vraiment très simple. Il suffit juste d'avancer tranquillement. Donc on arrive sur un second niveau qui est un espèce de 3D ISO. Donc là on n'est pas obligé de les tuer mais c'est quand même plus simple pour être safe. Donc voilà, on voit qu'ils apparaissent tranquillement. Juste on se place et on évite les grosses pierres. Et après ça va arriver sur la gauche de l'écran. C'est un niveau qui est très court. Mais c'est sympa, ça change, vous allez voir, il y a quelques éléments de gameplay qui changent selon les niveaux, c'est plutôt cool. Donc voilà, là ça arrive un peu sur la gauche, voilà, il suffit juste de faire utiliser le bon bouton 1 pour faire des tirs en diagonale. Voilà, juste esquiver les shurikens qui nous envoient. Voilà, et on va gentiment arriver au boss. Voilà, donc là, bah, pareil, il suffit de le bombarder. Voilà, si son espèce de bâton de lancer là, il s'approche trop de vous, bah, vous balancez la tornade. Allez, on est parti pour le troisième niveau, donc un peu comme le premier niveau, assez simple, on a l'apparition, je crois que c'est des ours. Voilà, il suffit juste de reculer un peu et de faire des paquets. Donc pour le moment, rien de bien méchant. Voilà, juste pas avancer trop vite, bien reculer pour descendre tout le monde avant de faire popper la nouvelle vague d'ennemis. Ça c'est vraiment un point essentiel du jeu, parce que si on commence à être submergé, ça devient vite compliqué. Voilà, donc pour ça vous allez voir que tout le long du jeu, j'avance plus ou moins frileusement, on va dire. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un jeu, quand on le connaît, il est pas si difficile. Voilà. Vous pouvez utiliser un peu les éléments de décor pour bloquer les ennemis aussi ou vous protéger. Voilà, donc on avance tranquillement, il est assez simple ce niveau. Là on voit que les ninjas nous balancent de nouvelles armes, une espèce de boomerang là. Voilà, on a les paquets d'ours qui arrivent, mais rien de bien particulier. On va constater que la musique elle est sympa, je la trouve assez entraînante dans ce jeu, pour ma part. Et voilà, on arrive au boss, donc toujours la même, sauf que celui-là il lance une espèce de gros shuriken, donc faut le toucher sur la droite. Et voilà, comme vous aurez remarqué, quand il commence à être rouge, c'est qu'il commence à avoir à être quasiment mort en fait. Voilà, on arrive au quatrième niveau, donc là on va avoir un parchemin à récupérer dans ce niveau-là. Voilà, donc ces ninjas bleus, c'est vraiment les ninjas les plus basiques du jeu, ils vous foncent dessus avec leur bâton ou leur épée, je suppose, c'est noté, je pense. Mais voilà, enfin ils sont vraiment inoffensifs. Voilà, là on a l'apparition des meufs, et elles sont un peu plus emmerdantes, faut connaître leurs emplacements parce qu'elles vous sautent dessus. Donc là, je vais m'occuper d'abord de celle-ci, et je vais la faire apparaître et reculer en fait. Chaque fois je vais faire ça, voilà, on la fait apparaître, on recule quand on connaît les emplacements. Je trouve que c'est la manière la plus safe pour pas déclencher d'autres ennemis en même temps, voilà, vraiment. Le jeu est quand même pas simple. Il n'est pas ultra difficile, mais il n'est pas simple, donc voilà, on va éviter d'utiliser. On va utiliser des techniques vraiment safe. Donc, vous avez vu, là, j'ai tiré dans la statue de gauche pour faire apparaître un parchemin. Donc voilà, là, on a deux petites meufs cachées. Donc, je tue d'abord celle en haut, hop, on fait apparaître la première, on fait apparaître la seconde, et on est safe. Donc vraiment, je vais utiliser cette technique à chaque fois qu'il y en a, quoi. Pareil, quand il y a des groupes de 4, généralement, je vais reculer pour être tranquille, vraiment éliminer les ennemis peu à peu, pour vraiment jamais être submergé dans le jeu. Voilà, la musique s'arrête, le boss arrive, encore une fois très basique, et voilà, c'est fini. Une chance qu'on a dans ce jeu là, c'est que les boss sont vraiment très simples, il n'y en a aucun qui pose problème. Voilà, donc
niveau 5 un peu particulier. Donc on peut uniquement se déplacer sur les rondins. Donc c'est un niveau qui peut être assez chiant, faut quand même rester bien vif et rester sur les rondins du bas. Donc vraiment moi comme vous avez pu voir, j'essaye de pré-shoot hein, parce qu'on sait pas trop où est-ce qu'il pop. Donc je pré-shoot à gauche, à droite, voilà. N'hésitez pas à utiliser la tempête si vous êtes à la tornade si vous êtes vite débordé. Parce que les diagonales, le problème c'est que voilà, on a une diagonale mais des fois on n'est pas dans le bon axe. Voilà, là j'ai utilisé la tornade pour être tranquille. Et on va arriver au boss, donc c'est peut-être le boss un peu plus chiant parce que pareil, il va pas être toujours dans l'angle dans lequel on peut le toucher, comme vous voyez là, bah voilà, en face ça le touchait pas et à gauche j'ai eu du mal. Voilà, là utiliser la tornade pour pas prendre ses coups. Voilà, c'est un peu chiant, il est un peu plus long parce que voilà, réutiliser la tornade, il est un peu plus long parce qu'on n'est pas toujours dans le bon axe pour lui tirer dessus, mais bon, quand vous avez fait 3-4 fois le niveau, vous auriez compris, c'est pas très compliqué. Donc niveau 6, là je crois qu'on va avoir l'apparition de nouveaux ennemis, mais qui sont pas spécialement plus difficiles. Donc voilà, là les meufs cachées, faut le savoir, voilà, bah ça à force de refaire, hein, vous connaîtrez par cœur les emplacements de ces petites meufs vicieuses, là il y en a encore une, hop, on va aller tuer celle qui est en haut, voilà, avec un peu de peine. Et là à gauche on va avoir un passage pour aller chercher un parchemin vert. Donc on élimine d'abord les ninjas, là on pense de suite à tirer sur le ninja de droite pour pas être emmerdé. Et voilà, là vous tirez sur l'arbre, vous touchez l'arbre et on va récupérer un parchemin. Voilà, là, hop, on utilise un petit peu la tornade parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. C'est vraiment un jeu qui peut paraître difficile au premier abord. Mais en fait, dès que vous commencez à maîtriser le gameplay et connaître surtout les emplacements des ennemis, c'est vraiment un jeu où c'est du par cœur. Mais vu qu'il est court, ça s'apprend assez vite. Pour vous dire, j'ai commencé les trainings hier soir dessus et je l'ai one-lifé dans la journée, quoi. Donc là, on va bientôt arriver au boss. Encore une petite salve et c'est bon. Voilà, donc là, le boss, essayez de lui tirer dessus en diagonale. Directement commencer à lui mettre des dégâts, mais après sinon vous pouvez le faire reculer pour l'avoir clairement en face de vous, ça marche aussi. Voilà, donc encore un niveau un peu particulier, donc là avec un scrolling horizontal pour éviter les chevaux et tirer sur les espèces de cracheurs de feu là, les pyromanes. Voilà, sachant que si on fait la tornade on passe à travers les chevaux hein, donc on évite les dégâts, enfin on prend pas de dégâts. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un jeu où si vous vous faites toucher une seule fois, vous perdez une vie, donc pour le One Life, vous recommencez le jeu, quoi. Donc autant vous dire qu'il y a eu quand même pas mal de resets le temps d'apprendre le jeu. Bah comme tout, en fait c'est un peu la difficulté de tous les jeux où on crève dès qu'on se fait toucher une seule fois, quoi. Donc voilà, faut connaître quand même le jeu sur le bout des doigts pour éviter de prendre des dégâts inutiles. Voilà, donc le boss est vraiment pas bien compliqué, hein, vous l'aurez compris encore une fois, vous esquivez le cheval et vous restez en face de lui et vous le bourrinez. Donc on arrive au niveau, je sais plus, la 7 ou 8. Donc on a un parchemin ici aussi, ça doit être le 8ème niveau ça. 7ème, ouais, je sais plus, 7 ou 8, mais on va avoir un parchemin ici aussi. Et on va avoir des ennemis qui bug. Alors moi je vais choisir de vraiment tuer tous les ennemis, parce que j'ai remarqué que pendant certaines de mes runs, j'ai des ennemis qui popaient après dans mon dos. Vous voyez là, le ninja il a popé, je vais quand même aller le chercher alors qu'il est bloqué. Parce que j'ai pas envie que ça me pop dans mon dos. J'ai eu certains runs où j'ai eu des ninjas dans mon dos à un moment donné. Donc voilà, moi je vais vraiment privilégier de tuer tout le monde pour être tranquille. Histoire de pas avoir de mauvaise surprise. Donc là on va avoir un groupe d'un coup. Je crois que je vais faire une tornade pour reculer. Ouais, je le sais que ça va popper, vous voyez, j'essaie de le faire popper. Voilà, hop, on fait la tornade, on passe à travers, on est plus safe. Là, on voit que la meuf elle bug là-haut. En fait, si vous reculez, ça les fait popper et ça les fait traverser les murs. Donc, quand vous envoyez des bloqués, vous reculez, vous les faites venir hors écran et ça va les pousser en fait de l'autre côté du mur. C'est un petit bug du jeu. Donc, là, on va aller chercher un des derniers parchemins, l'avant-dernier parchemin. Donc, pareil, il va falloir toucher l'arbre. Hop! Et là, ça fait popper pas mal de monde, mais. Vous voyez là je tire vers le bas parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des ninjas qui arrivent en bas. Voilà, là je vais reculer pour les faire traverser le mur. Hop, ils reviennent devant. Et on va gentiment arriver au boss de ce niveau. Vous voyez, c'est des niveaux très courts, hein. Ils peuvent être très punitifs mais ils sont très courts.
Voilà, donc là, on arrive au boss, toujours pareil, vous lui tirez dessus en face, vous esquivez son bâton, rien de bien compliqué. C'était niveau 8, voilà, on arrive au niveau 9. Donc là, c'est vraiment rien de compliqué. Les escalader une falaise. D'ailleurs, c'est très sympa quand vous mourrez, il y a une animation comme quoi le perso tombe dans l'eau, c'est vraiment sympathique. Donc là, vous choisissez de monter à droite ou à gauche, et après, vous éliminez les deux suivants avec le tir du bouton 1. Voilà, vous montez, dès que ça apparaît, vous reculez pour éviter leur tir croisé. Et après, toujours, vous choisissez un côté et vous excusez les ninjas sur la partie opposée. Donc ça va être cette technique tout le niveau et il est très court. C'est vraiment un niveau très basique celui-ci, mais très sympathique. Ça change les éléments de gameplay. J'ai trouvé sympa l'animation de quand on tombe du mur, voilà, se noyer dans l'eau. Voilà, donc là, une particularité, vous n'allez pas avoir besoin de tuer le boss du niveau, vous allez juste chercher le parchemin et ça vous amènera au niveau suivant. Voilà, donc en fait, vous montez dans l'angle en haut à droite, ça fait apparaître le parchemin, vous le prenez et ça met fin au niveau. Donc là, on a un petit speech, je crois, qui nous explique qu'il faut aller à la troisième statue, tirer trois fois et disparaître trois fois. Donc ce qu'on va faire dans le niveau suivant. Voilà, une particularité de ce début de niveau, il va falloir faire une tornade et un bac direct pour traverser les deux qui nous attaquent du bas. Comme ça, on peut utiliser, enfin, fumer le groupe de 4 sans souci. Là, pareil, deux qui apparaissent, puis 4, on va reculer encore. Vraiment, comme je vous l'ai dit, moi je joue vraiment très safe. Il y a moyen de le faire beaucoup plus rapidement, le jeu. Mais moi, mon but, c'était vraiment de jouer safe, pas de le recommencer 400 fois pour réussir un One Life. Et donc, je préfère jouer un peu frileux, mais assurer le coup. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à part le dernier niveau, vraiment le dernier niveau, j'ai pas compris, mais tous les autres, c'est très scripté. On arrive à peu près à savoir ce qui va se passer. Donc si on a une bonne mémoire, on se rappelle vite voilà, comment apparaissent les mobs. Alors que dans le dernier niveau, bah, pour l'avoir testé plusieurs fois, c'est pas toujours pareil. Donc ça va être un peu à la dextérité aussi. Voilà, la 4 ennemis, je préfère reculer encore une fois. Et on arrive bientôt à la statue pour ouvrir le passage secret. Hop. On détruit les quelques ennemis et on arrive à la statue. Donc là, on tire trois fois comme indiqué dans le parchemin, on disparaît trois fois et on ouvre le passage secret pour le dernier niveau, si je dis pas de bêtises déjà. Voilà, le dernier niveau. Donc au début, vous passez par la gauche. Alors là, c'est le run, c'est à peu près bien passé. C'est pas toujours pareil. Là, vous avez toujours ces ninjas qui apparaissent et c'est après que ça se passe pas toujours pareil. Donc là, vous partez à droite. Le but est de détruire celui-ci, de détruire les deux en face et de laisser les autres en fait derrière vous. Mais là, ça se passe mal parce qu'il me rattrape, donc je vais décider de le tuer. Mais le but est de laisser pas mal de sprites derrière, comme ça il n'y en a pas qui pop devant en fait. Vous faites carrément tout le tour pour faire apparaître le boss tranquillement. Là, vous faites une tempête, hop, parce que vous croisez les ninjas et après vous n'avez plus qu'à tirer tout droit et détruire le boss de fin. Et voilà le One Life de The Ninja, environ 13 minutes. Voilà, j'ai un petit peu galéré parce que bah, ça fait 3 fois d'affilée presque que je le finis en One Life. J'ai des problèmes de capture, j'ai crevé à la 10 dernière seconde contre le boss. Mais voilà, c'est fait. Donc un One Life qui est pas si évident que ça, mais qui est pas si dur quand on connaît le jeu et qu'on le maîtrise un minimum. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !